Nous allons voir dans cette petite vidéo comment travailler très facilement avec les dossiers partagés avec moi sous Google Drive. J'ai par exemple quelqu'un qui m'a partagé un dossier qui s'appelle TotoShare. Si je vais dedans et que je vais dans Titi, je vois que c'est Toto. Je peux modifier mon fichier. Voilà, donc là j'ai modifié un document qui était dans un dossier TotoShare. Le seul problème, c'est quand je veux interagir avec mon Drive, c'est embêtant parce que je ne peux pas tellement copier ce dossier, ce document dans mon share partagé. Alors il y a un petit truc sur Google Drive, c'est qu'il suffit simplement de sélectionner le dossier qui est partagé. Ici, on a des icônes qui s'affichent. On prend cette icône-là qui s'appelle Ajouter à mon Drive. On clique dessus et automatiquement, je vois le TotoShare, donc le dossier qui est partagé avec moi, qui se trouve dans mon arborescence. Je vois que mon Toto, il est toujours là. Je peux le modifier. Rester sur page, il n'a pas encore sauvé. Voilà. Je vois que je peux aussi prendre mon dessin qui est ici et le mettre dans Tata, par exemple. Voilà. Donc je l'ai déplacé dans Tata, il se trouve ici. Et je peux aller travailler très facilement. Maintenant, supposons que je n'ai plus envie de travailler avec ce dossier partagé. Comment faire pour l'enlever de mon Drive? Il suffit simplement de le supprimer. Ça, c'est un peu une bêtise de Google parce qu'on a peur. Et là, ça ne se supprime pas, ça le supprime simplement le lien. Si je vais vérifier mon TotoShare, j'ai bien là, dans Tutu, j'ai bien mon Tata et j'ai bien mon dessin qui est ici. Et si je reviens et ici, c'était là. J'ai bien mon document qui est toujours ici. Voilà, nous avons vu ici comment travailler avec les dossiers partagés plus facilement sur Google Drive.